moi sur plateau Espérance TV et c'est un plaisir nous qu'a animé émission ta là anticoser et nous qu'a remercier bon Dieu et puis le Saint-Esprit qui qu'a tchébé nous en vie et puis qui qu'a ba nous direction pour nous étudier partager parole. En tout cas, nous qu'a saluer tout le monde qui qu'a regardé et puis écouté émission ta là à sur les trois radios Guadeloupe, Martinique, Guyane et puis tous les téléspectateurs eh bien qui à la maison tranquillement eh bien qu'a garder et anticoser puis étudier en même temps. En tout cas nous qu'a disons surtout mettez en pratique parole là puisque c'est ça bon Dieu qu'a attend dit nous toutes. Moi les présenter les autres Gratien qui l'a bien impeccable Gratien. Bienvenue. Merci pour accueillir et bienvenue pour aussi. Moi qu'a profiter l'occasion pour moi vrayer un gros coucou à tous les amoureux de la parole, les amoureux de la Bible, qui étudient la Bible et qui ka appelé nous, qui encouragent nous, qui ban nous un petit salut fraternel pour dire nous, que bien fort, nous ka prier vers eux. Nous ka profiter pour saluer tout le monde la Caraïbe et puis un petit moment, un petit mot spécial pour la communauté haïtienne. Je dis ce moment-là, que bien fort, ce n'est pas facile, mais puis l'aide bon Dieu nous est arrivé, on nous persévère. Bien, eh bien, nous, on dit dans le livre Marc, ouais. Et c'est puis plaisir, nous, et savourer le livre Tala, parce que c'est enseignement profond, l'accent toujours metté à sous Jésus, à sous enseignement, à sous les miracles puissants, et puis qui a indiqué la direction, c'est bien dit, le Messie. Et Gratien, je dis à nous, Jésus qui a enseigné les disciples. Avant nous prendre un texte de base là, priez Gratien. Papa Dieu, sans l'occasion bénie ou kabanou, qui penche comme nous en les paroles là qui source la vie, pour nous découvrir Jésus et puis enseignement y kabanou, pour la vie nous soit belle, pour nous soit heureux. Souple papa, nous commandons, accordez-nous le Saint-Esprit pour guider nous, pour convaincre nous, pour clairer nous et conduire nous à dans toute la vérité, au nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, c'est Marc 8, verset 34. Oui. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Bien, ça c'est un bel texte qui a parlé de poursuivre Jésus. Et qui m'a dit comprendre le passage de la Gratien? Eh bien, ici il y a d'autres textes là. Qui a parlé de charger le corps de la croix, porter la croix et puis suivre Jésus. Mais oui. Est-ce que c'est pendant le cours antipendantif, quoi et puis suivre Jésus? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ici il y a Jésus qui a placé trois conditions. Trois conditions pour être disciple. Mais ça m'a aimé, puis je dis, Jésus n'a pas dit où? Wou, il dit si quelqu'un, ça veut dire qu'il adresse quoi? À la foule, il adresse aux disciples. Puis il dit si un monde. Ça, c'est le volontarisme. Oui. Hein? Si un monde décide de suivre. D'accord? Donc, ça veut dire que tout le monde qui l'a. L'appel à lancer, c'est un appel général. Non, laissez. Trois conditions. Non. Renoncer à vous-même, charger quoi de quoi, et puis suivre moi. Oui, et renoncer à vous-même, c'est qui ça? Est-ce que c'est facile? Mais pour l'homme renoncer à vous-même, c'est qu'on pas considérer qu'on ou pas à rien et qu'il n'y a pas bagaille qui n'y a priorité en l'air. Ici, période à vous. Donc, on peut faire table rase, on peut piger quoi. Hein? Tout ça, on peut sentir qu'il peut être un pôle d'attraction, un guimba. Ou qu'a quitté tout ça qu'on peut le dire. Mais qu'a gardé tout le bagaille qu'on a pour nous connaître Jésus. Mais Gratien, c'est un bagaille qui est difficile, c'est un bagaille qui est compliqué. Puisque nous savons qu'on nous-mêmes attirer vers oui, les gosses, le charnel, le plaisir, tout ça, etc. Ouais, nous les pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. Et là, et Jésus a dit, ouais non, c'est à ça. Oui, ouais non, c'est à ça. Ouais non, c'est à ça. Parce que qui ça, en réalité, Marc 8, à partir du verset 8 jusqu'à Marc 9, 10, il a mené nous, monter à Adam, maintenant l'introduction pour rentrer en dit dans le royaume là. Or, nous a dans le royaume
là nous être extérieur à volonté bon Dieu nous dans royaume parce que c'est royaume Satan qui est la terre vous comprenez et tout le monde adhère au royaume Satan c'est le mensonge c'est le vice c'est ça là royaume bon Dieu est différent Jésus vient c'est un royaume qui est différent et là il a enseigné nous comment on pour nous faire pour nous entrer au royaume là c'est quitter mettre d'un côté rejeter tous les principes du monde et puis accepter les principes. Mais si ça t'est si facile, consécration, tout le monde est un royaume mondial, donc il y a un élément qui peut entrer en jeu. Mais oui, il y a un élément qui peut entrer en jeu, c'est la foi et puis la confiance en bon Dieu. Puisque tous les coups parlent ou va dans le royaume. Hein? Puisque Satan, c'est lui qui met dans la terre, c'est lui qui a doté tout le monde. C'est lui qui a régné. Alors donc, pour sortir du royaume Satan, c'est un appel au cas où il veut dire bon Dieu, mais non seulement bon Dieu qui a appelé, mais qui a les moyens, qui a le Saint-Esprit. Absolument, très bien. Oui, donc sans Jésus, nous ne pouvons pas faire ça. Qu'est-ce côté? Eh bien, nous allons avancer. Alors, là, on va regarder le passage là, Marc 8, verset 22 à 30. On va voir que Jésus raté et couille là. C'est ça, on dit. C'est pas ça, Bible a dit. Jésus décide de faire un miracle. Mais miracle pas passé au premier coup. Nous caïwe pouti, nous caïwe pouti. Alors Marc 8 verset 22 suivant nous cali. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et il le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais je vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui dit de nouveau, lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Verset 26, alors Jésus le renvoya dans sa maison en lui disant, « N'entre pas dans le village. » Voilà donc. Alors, pourquoi Jésus fait miracle en détant? Alors, habituellement, il a parlé, ben, il a fait, il a touché, etc. Et là, il fait un détente. Eh bien, vous savez, là, on peut suivre Jésus et puis, on peut enseigner, il ne faut pas vraiment habituer ou à un seul bail. Parce que Jésus a mille facettes, parce que c'est Jésus. Pourquoi il fait un détente? Parce que c'est Jésus. Mais l'enseignement, nous, quand il est ici, là, ici, là, c'est que l'homme, de manière générale, difficile à comprendre. Plan bon Dieu et puis programme bon Dieu. Hein? Vous comprenez? Donc, là, Jésus fait miracle là, en deux temps, c'est pas que Jésus te manque puissance. C'est pas que nullement il te manque puissance, mais parce qu'il a arrêté Jésus. Donc, dans ça, nous avons la première action de Jésus, c'est qu'il prend l'homme là par la main et puis il mène à l'écart. Vous comprenez? Oui, ça, c'est un acte miséricordieux. Ça veut dire que Jésus a soucié des personnes qui ont un problème, soit malvoyant ou encore un problème corporel. Mais ici, hein, l'histoire-là a rencontré nous que l'homme, au premier abord, difficile à discerner plein bon Dieu dans la vie. Et... Alors, lorsqu'on regarde le texte-là, on voit que Jésus fait miracle en des temps. Et. Après cela, il a demandé ses disciples, dis-moi, qui m'a demandé. Eh bien, mais oui. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent. Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Ensuite, verset 29, Jésus a dit, l'autre, mais autres même, autres. Qui ça va être capable, dis-moi. Ça, c'est un sondage d'opinion de Jésus. Question, sondage d'opinion. Pour qui Jésus choisit le disciple. Faut le cas suivre lui. Il a fait un miracle. Il a fait toute bagaille. Il a enseigné. Mais il arrive au bon moment, puis il dit, oh, mais. Zani, ti bon ton rop ka marche, puis moi. Donc, moi, vous voyez votre mission. Qui ça, yo dit votre pas de mission, là, vous présentez moi, royaume, moi. Et puis, sot, qui ça, votre capacité, dis-moi. Et alors, donc, yo dit, c'est Jean-Baptiste, c'est ces autres, c'est moun qui a dit ça. Mais il dit, Jésus dit, yo, mais zot, même qui a côté moi, là, 12 là. Qui ça, votre capacité? Pierre prend la parole. Et puis, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Tu as oui, dit ici. Oui. Et alors donc, Jésus dit révélé, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est l'esprit de mon Père. D'accord. D'accord. Oui. Et ensuite. Alors, allez, nous croyons en disant tout ça, que nous croyons bien étudier Jésus qui a enseigné les disciples. Est-ce que les faits qui fait miracle talent des temps, c'est pas tant manière puis te mener ces disciples à dans bon la comprendre qui veut dire que depuis qu'on zote et puis là zote beaucoup car ouais très bien mais c'est ça c'est ça ma douleur parce que ma bien dit que des fois l'homme la difficulté à cerner le plan de Dieu au premier abord abord et Jésus quand rentre à dans un contexte puis aider yo pour ça comprendre et à partir du moment où Pierre dit où c'est le Christ le fils du Dieu vivant. Jésus dit, mais ce n'est pas l'esprit de l'homme, ce n'est pas la chair qui révèle ça. Ça, c'est l'esprit de Dieu. En un mot, Jésus voit que il arrive non pas que à de la bonne compréhension, mais mentalement, le Christ, le Fils de Dieu vivant, il voit que Jésus, ça s'en déclic, puis oui. Commence à annoncer le mot. Et là encore, c'est là où on voit ça, on dit là, et puis, passage là, et dit Pierre, révéler vraie identité de Jésus, comme on trouve des fois. Il faut que nous ayons temps pour comprendre les choses spirituelles. Exactement. Ah ouais, il faut que nous temps pour comprendre les choses spirituelles. Et ça, pas facile. Et c'est un exercice pour chacun de nous. Quel niveau nous y a de ministère là. Oui. Vous comprenez? Alors, et là encore, nous allons avancer, Gratien, puisque nous allons dire que profiter, savourer le livre là, parce qu'il y a tellement d'enseignements là. Ah ouais. Là, on va regarder, alors, pour venir en vrai disciple, est-ce qu'il y a un prix à payer? S'il y a un prix à payer, prix à la, c'est qui ça? Oui, il n'y a un prix à payer. Donc, tout bagaille, il n'y a un prix à payer. Nous allons lire verset 31. Oui, Luc 8, 31. Oui. Alors, il commença alors à apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit. Après confession, Pierre. Hein? Oui. Après confession, Pierre. Bien. Qu'il souffrit beaucoup. Hein, qu'il fut rejeté par les anciens et les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressusciterait trois jours après. Parole Jésus, là, ça c'est Isaïe 53, qui là? Oui. Et ses disciples connaissent Isaïe 53, le serviteur souffrant. Mais il parle de que c'est Jésus qui personnifie ici comme étant le serviteur souffrant. Donc, nous allons continuer. Et il disait ces choses ouvertement. Pierre, le n'a pris à part. Parler, puis après, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retournant, le regardant, ses disciples réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu de la bonne manière. Tu as la pensée de Jésus. Mais là, ça contradicte totalement. Pierre finit révéler vraie identité Jésus. Il dit, c'est la Christ. Le Mekia, le Messie. Le Messie. D'accord. Là, Jésus dit, c'est pas la chair et le sang qui révélaient ça. Ça veut dire que c'est. Non, c'est le Saint-Esprit. Bon Dieu. Le Saint-Esprit. Et à un moment là, il a dit Pierre, arrière de moi, Satan. Donc, ici, il y a Pierre fait un. L'idée Satan émergeait, il parlait. L'idée Satan. Pouchi, là Pierre dit Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais Pierre, par concevoir la réponse comme étant le Messie sauveur. Ah ouais? Mais c'est le Messie roi libérateur. Ah. Parce que la nation juive et Pierre même, et l'histoire, la suite de le texte, eh bien, nous raison. Parce que là, Pierre révélait ça. Jésus dit, mais en réalité, Jésus prend un mot, parce que c'est l'Esprit bon Dieu qui révélait ça. Parce que je me rappelle que c'est seul le démon qui te reconnaît en Jésus le Messie. Oui, oui, oui. Seul alors, là, il dit que c'est l'Esprit bon Dieu qui révélait ça. Il révélait ça, mais ce n'est pas compréhension. La Pierre ne dit ça. Exactement. Messie, exactement. C'est pas Pierre n'a pas révélé ici le Messie souffrant, sauveur, qui a venu pour battre la vie, afin qu'il mène la vie. Non, mais Pierre, il a révélé ici, il a révélé, puisque Jésus dit que c'est l'Esprit qui révèle ça. Mais ce n'est pas compréhension, ça la Pierre n'est. Mais c'est ça même cadeau là, c'est pas compréhension. Hein. Oui. C'est ça. Alors, compréhension, Pierre, c'est qui ça? Compréhension, Pierre, le Messie ici, c'est le Messie glorieux qui est venu en roi. Pour libérer la Palestine, libérer Jérusalem, tel est Romain des rois, et puis
miracle qu'ils a fait. Bas 5000 moun manger, Jerry moun, hein, toute maladie, perte de sang, toute bagaille qui passait, c'est moun qu'on ça nous besoin. Oui, en réalité et entre parenthèses, on peut comprendre l'attitude de ces juifs là et puis les disciples parce qu'ils étaient opprimés par les Romains. Oui. Et pour eux, là, ils étaient capables de dire un libérateur qui est venu. C'est pas tant libérateur spirituel pour eux, mais c'est un libérateur physique qui est venu briser les jougs romains, libérer eux, puis la liberté. Oui, oui. C'est pour ça que je porté Barabbas comme Messie. Oui. Parce que Barabbas est un brigand, il était en fait une sédition. Bon, alors nous sommes venus. Nous sommes parlé du prix à payer. Là, ici, là où Pierre a révélé ça, Jésus a dit, à la suite, ben là, nous croyons que Jésus a dit, maintenant, penser ou ce n'est pas penser, bon Dieu. Mais véritablement, le Messie, le Christ, il a venu, puis il souffre, puis être insulté, puis il a baillé calotte, puis il a craché en l'œil, puis il a insulté, ensuite il a fouetté, ensuite il a crucifié à l'endroit. Mais trois jours après, il a vivé à la ville. Ces disciples-là n'ont pas accepté ça, ils n'ont pas te comprendre ça. Et c'est leur prix à payer. Tout le monde qui déclarait être ami et puis disciple de Jésus, Yoni a renoncé à yo, renoncé à royaume le monde. Le Satan a proposé nous les attraits de ce monde. Hein? Chargé quoi dit quoi, con Jésus, chargé quoi dit quoi, et puis calé au calvaire. Et puis ensuite suivre. Il y a une guerre spirituelle, il y a un conflit cosmique là. Est-ce que là encore, nous n'avons pas eu l'enjeu pour aujourd'hui, au pays spirituel très fort, et puis en un instant, Satan a accaparé nous, qu'on fait pour Pierre là. Mais c'est exactement cela. Et c'est pour ça la vie chrétienne sans lutte, sans remise en question dans tous les instants. Il n'y a ni rien qui acquis définitivement parce qu'on appelé à progresser. Aujourd'hui, là, on peut en l'air, demain, ça peut arriver ou quoi tomber, puisque la chute est là aussi, mais c'est relevé. Ce qu'on pense du texte là, Jean 12, 25, et c'est qu'il a aidé nous à se renoncer, hein? Et puis, point quoi, et puis suivre Jésus. Oui, donc à l'itex là. Jean 12, Jean verset 12, 25. Verset 25. Oui, voilà. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. C'est bien cela. Renoncer aux choses du monde, les attraits du monde. Hein, monde. Parce que Satan a proposé un royaume et tu auquel maintenant, plus on a l'argent, plus on a l'auto, plus on a bien matériel, plus on a piétiné les autres, plus on a gardé l'argent, ouvrier qui travaille par là, ou pas bail salaire lié pour enrichir comme là, c'est ça où quelqu'un a dans le monde là. Mais le royaume des cieux, le royaume, l'esprit du royaume, c'est pas ça. Un nous avancer. Les ou quoi li, Marc 9, verset, yon a 13. Alors, qui ça qui fait en les montagnes, jouta là, et qui s'aime ces disciples-là contempler? Maintenant, Jésus, est-ce que il a bien fait, ou des questions bien, Gratien, de prendre trois mon épée, Jean, Jacques et Pierre? Et il quittait 8 en bas. Est-ce que ce n'est pas favoritisme? C'est Jésus. C'est Jésus. Ça m'en maintenant vous là. C'est Jésus. Jésus, c'est le top de top. Le top, tout le ça, top, Jésus. Le top fait de top. Bien top et top. Très bien. Le top de top. Il n'a pas trop peur. Il n'a pas trop peur. Il n'a pas trop peur. C'était ce quoi pour Jésus? C'était les amis gentils. C'est le premier choisi. C'est le premier choisi au bord de la mer. Il change de nom. Et Simon, c'est facile. Mais Jésus même dit les premiers et les derniers. Là, il marche. Là, il vient. Jésus fait une déclaration avant nous lire ça. Écoutez bien. Il leur dit encore. Verset 1. Ok, oui. Écoutez bien. Il leur dit encore. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici n'en mourront point. Qu'il n'ait vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Notez bien, il n'a pas dit tous. Il dit quelques-uns. Et quelques-uns étaient là, il mettait quoi réglo, puis quoi d'aplomb, et puis enseignement. Au verset 2, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Quelques-uns. Oui. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Oui. Alors là, nous allons parler de la montagne de la transfiguration. Grâce à un petit, nous allons parler de transfiguration. Et petit,
ça n'est en rapport et puis le royaume de Dieu qui a venu puis puissance. Ah ben, royaume de Dieu, c'est un royaume qui est glorieux. Hein? Le royaume de Dieu, c'est un royaume glorieux. Glorieux, gloire, mon Dieu, qui a transparu à ce royaume-là. Pas oublier. Jésus l'a baptisé, voir, sorti en dit dans le ciel, et puis il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je vais témoigner que c'est moi qui voyais pour porter la vie dans l'autre. À la transfiguration, ici, la Bible a dit nous que à la transfiguration, je vais éviter ce moment-là, lit texte là. Maintenant, oui. Les Jésus montant, les montagnes, il y a un aspect qui change la gloire de Dieu environné et puis deux personnages paraissent d'ouvrir. Hein? D'accord. Et gloire là qui transforme Jésus là, c'est comme ça qu'il vit. Hein? Exactement. D'accord. Exactement. C'est pas du bon tout. Il y a des gens qui accompagnaient Jésus en disant apparition là. Oui. C'est Moïse et puis Élie. Alors nous allons dire ça. Alors restez là. Mon point m'en fait là. Oui. Restez là. Oui. Il y a des gens qui a dit, normalement, ce n'est pas des mouns qui viennent et puis Jésus, c'est toi. Je vais citer ce nom, hein, c'est mouns qui a dit. Je n'ai pas dit ça, c'est parole l'évangile. Oui, oui, oui. Mais il y a un courant de pensée qui a dit, c'est toi mouns qui apparaît et puis Jésus, c'est Élie, Moïse et puis Enoch. Vous vous détendez là? Non, vous vous détendez là. Eh bien, m'a dit, il faut qu'on vire les Bibles pour savoir que c'est dès qu'il a, et pour que c'était dès qu'il a, et les pieds, non. Et Moïse. Et Moïse. Après, le ministère, il montait, sans passer par là, moi, il montait dans le champ de feu. D'accord? Moïse, moi, mon ébou. Bon Dieu, ressuscité, hein? Et puis, maintenant, il montait. Ouais. D'accord? Donc, alors, deux symboles qui ont symbolisé, Élie qui a symbolisé, moun qui a monté sans passer par la mort. Oui. Et puis Moïse, c'est moun qui a passé par la résurrection. D'accord. Oh? Et puis qui a monté. Donc, au retour de Jésus, ça nous tout cas attendre là, nous pas prêcher. Hein? Oui. C'est Saint-Ala nous c'est Saint-Ala qui a représenté là. Thessaloniciens, chapitre 4. Oui. Alors, nous avons vu qu'en réalité, quand il y a les. Moïse, qui est mort en Christ. Les morts en Christ. Oui, qui a ressuscité. Et puis les transformés, les vivants, les fidèles à mon Dieu. Et qui a accueilli Jésus. Voilà. Et qui a changé. Il a monté en c'est ça. Laissez-moi nous sortir en disant nuit glorieuse. Nous n'avons pas n'importe temps, nous avons couru. Là, il est arrivé en pied montagne, sans notre situation. Oui, il y a un comité d'accueil qui attend. Et ça triste. Un comité d'accueil. Il y a le script. Il est pharisien, il est la grande foule, mais il était le restant disciple qui pas montant les montagnes. Et en mettant ça, il y a une scène dramatique. Scène dramatique, là, c'est un papa qui a mené un chilietti démon. Neuf disciples qui restaient là. Neuf disciples qui restaient là. Normalement. Ouais. Et il n'y a pas arrivé Jerry Timamaï là. Normalement, il y a une scène importante qui était pour faire là. Yodou, les scribes, les pharisiens, les rototos de la classe religieuse là. Yo se fait prier, imposer ti bolom là, non mais. Et puis Jerry. Yo pas fait. Les disciples, la nef là qui marchaient, puis Jésus, hein, yo ni même puissance, et puis les autres là. Yo te peut prendre le relais, mais moi pas là, mais moi qui prends ça, moi dit, puisque il bat au pouvoir. Donc, de chasser. Yo pas arrivé chasser des morts. Jésus, il veut trouver le comité d'accueil là. Il est obligé de crier, va se n'accueillir. Combien de temps encore mon épisode? Puisque moi, j'ai d'autres possibilités de faire tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé? La jalousie dans l'œuvre. C'est un facteur de destruction. Là où, dans le ministère, il y a des gens qui sont jaloux. Et mon est jaloux par rapport à d'autres qui ont des privilèges. Exactement. Quand à peu près, Pierre, Jean, et puis Jacques, et puis Jésus, la montagne. Donc, mes privilèges là, c'était pour eux tous. Puisque le plus gros privilège, c'est d'être aux côtés de Jésus. Mais là, Jésus choisit Pierre, Jacques et puis Jean pour monter les montagnes. Pédagogie Jésus, c'était pour faire un bagage. Et vous qui restez en bas, maintenant, vous pouvez considérer qu'on est privilégié d'être là, vous pouvez assainir là. Vous ne pouvez pas critiquer. Et ça va dans nos raisons. Parce que la suite reste à Rabanou quand vous commencez à faire l'école pour savoir qui est-ce qui est plus gros. Oui. Alors, et nous avons vu que le WSN n'a pas passé là. Oui. Et Jésus montré, et puis Jésus dit comme ça que.
ces gens de démons là qui sont sortis. Le jeûne et puis la prière. Et Luc a ajouté jeûne et puis la prière. Oui, oui. Marc oui. a dit la prière. Oui, oui. oui. D'accord. Donc, et Jésus fait miracle. Oui. Jésus alors, dit. Mais nous croyons que et pour un tel miracle qu'on s'est fait, mm-hmm. eh bien, tout à coup, nous croyons que et la foule était frappée. Et papa, même si maman, elle a rendu compte que. Il panique, il y a un problème là, uh-huh. mais lui aussi, il y a un problème de crédulité. Il y a un problème de crédulité, oui, oui. il dit papa aussi. Oui, oui, papa oui. était très incrédule aussi. Et Jésus maintenant fait parler sévèrement de papa pour chasser l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, la forme incrédulité, c'est un obstacle à la guérison. Et papa a compris, puis s'est confessé, mmh. je oui. crois, mmh. viens au secours de mon incrédulité. Donc, alors Jésus guérit l'enfant. Oui. Dans l'assemblée. Dans l'assemblée, hors de l'assemblée et dans les foyers aussi. Mais l'incrédulité qu'a manifesté, c'est un obstacle. Oui. Vous comprenez? À l'œuvre de Dieu réalisée. Ça fait qu'il est bon pour depuis et au plus haut de l'œuvre jusqu'à au plus petit membre d'église, mm-hmm. qui des fois qui nous criait, dit Jésus vini, au secours de notre incrédulité. D'incrédulité. Nous. Mm-hmm. Et bon, grâce à nous qu'on avance, puisque nous qu'on goûte et puis tant là. Alors, qui monde qui plus grand, les nous qu'a lu et passage de là. Marc 9, oui, verset 30 à 41. Oui. Pas oublier nous qu'a ouais, oui. Jésus qui a enseigné ses disciples. Oui, c'est l'enseignement. L'enseignement et les conditions. Oui. Si on peut être disciple, et Jésus qui a présenté la charte oui. du royaume. Alors, il ne faut pas oublier que ces disciples ont passé, mais Jésus qui a adressé quoi, il va chacun de nous. Exactement. Il partit de là, verset 30, Marc 9, 30. Il partit de là, traversa la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et le feront mourir, et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et craignaient de l'interroger. Ils arrivaient à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda, « Mais de quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils gardèrent leur silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui est le plus grand. Alors, Jésus s'assit, appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et ayant pris un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ces petits-enfants me reçoit moi-même et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a oui, envoyé. » Oui, on reste là. Il n'y a pas de plus grand pédagogue que Jésus. Et mon cas, vivre l'image, ça, là, t'es fort, t'es fort. Et tout le monde a gagné pour ça, qui est le premier ministre, qui est le ministre de finances, qui est placé, etc. Ça veut dire que, malgré toute démarche que Jésus a fait pour ramener eux spirituellement sur la compréhension du Messie, du ministère de Jésus, là encore, nous avons que Il te reste, puisque Jésus au verset 31 a dit, « Quand monte Jérusalem, yo kay flagelé moi, yo kay maltraité moi, yo kay crache en l'air moi, yo kay ba moi fouette, et puis ensuite, yo kay crucifié moi là, quoi, et moi kay ressuscité trois jours après. » Qui ça, l'image de Timon Maïta là, quand enseigne faut tout humble, c'est l'humilité. Ouais. L'humilité et puis la foi. Parce que Timon Maï, écoutez, ou quoi promettre lui quoi, il baille un bagage, il n'y a pas qu'à tirer les piments d'eau, qui fout les bailles là, quoi, il baille là, mais il a attendu patiemment son quoi baille là et puis il a pris de bon cœur. L'humilité, nous pas qu'à dire c'est la naïveté de l'enfant, mais la foi enfantine de l'enfant, enfantile de l'enfant. Et c'est ça, Jésus a montré nous que à deux royaumes, la personne pas supérieure à l'autre. Nous sommes pécheurs logés à la même enseigne, nous pour garder en attitude d'humilité. Ça qui est bon, ouais. c'est que Timama est là, il est toujours à croire, et sa papa il a dit, sa maman il a dit. Oui. Papa a fait un bel volet, en seconde après, il a venu en jambe, oui, il a fait carré ses papa, oui. etc. Ça veut dire que Timama est là, pas ni rancune, mais ça c'est pour moi, ça c'est pour vous, ça pour. Tout le monde qui a écouté, nous parfois nous avons un orgueil démesuré et nous avons une méchanceté dans notre et qui n'a rien pas qu'à dégringoler. Ça veut dire qu'il faut que nous venions contre innocents
hein, et puis écouter et puis obéir par la grâce mon Dieu. Mm-hmm. Vini humble. Absolument. Vini humble. Mm-hmm. Et puis très ouvert. Mm-hmm. Grâce à nous, pas rester temps. On nous fait dernier point. Dernier mm-hmm. point. Ouais. En enfer. Est-ce qu'il y a un enfer vraiment? Oui, c'est-à-dire que tout le monde qui a dit qu'il y a un enfer, il y a bien un enfer. Hein? Il y a bien un enfer, c'est-à-dire le feu destructeur. Mm-hmm. Mais ce n'est pas un enfer qui a brûlé éternellement, qu'on vous comprenne, qu'on vous croit. Ce n'est pas un déchaille du feu qui a brûlé éternellement, qui a vieilli pas du feu. Ça, il y a un enfer un jour, puisque la terre est réservée pour le feu. Alors, nous avons dit Marc 9, 42 et suivant. Alors, Jésus a dit ici, hein, « Mais si quelqu'un scandalisait l'un de ses plus petits qui croit, il vaudrait mieux qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Si ta main doit être pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut entrer dans le royaume manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. » Et nous, c'est là, nous ne pouvons pas être pour lui tout bas là. Alors, différent qui n'a pas été une pièce là, c'est la géhenne, c'est lui qui a symbolisé comme l'enfer, qui est venu sans un différent et un monde qui a brûlé éternellement dans le différent là. Non! Ah bon. Ce n'est pas le monde qui a brûlé éternellement. Ça veut dire que le différent là, il a eu des conséquences éternelles. Ah ouais. Il y a des conséquences éternelles, c'est-à-dire que là où brûler, ou qu'il brûle cheveux, zo, quand tu poutes, ou qu'il fait la poussière, jusqu'à ton consommé, puis il finit. C'est anéantissement total. Donc, feu éternel, là, eh bien, c'est les conséquences qui éternelles. Yes. Quand nous que si vous passez par le feu là, c'est la mort éternelle, c'est fini. Oui, exactement. C'est fini, c'est fini. Mais c'est pas un feu, et tout le monde qui a eu le bouton de dedans, qui a brûlé tout le temps, jusqu'à l'éternité, non. Non, pas non, du non, tout. Non. Pas du tout. Et c'est même pas ça là que mon capot dit dans Isaïe qui a dit comme quoi que Isaïe 66 qui a un hiver qui a continué manger mon ne peut pas sortir adorer ou pas passer au spectacle là. Mais c'est pas ça le royaume de Dieu. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. La Bible dit nous que la terre sera purifiée par le feu. Oui, parce que l'eau est vert entre dit dans cadavre et tout en ni cadavre ni vert. Mais depuis cadavre là fini, vert à mort tout est fini. Donc c'est un feu éternel. Mais actuellement maltraitance et pas capable soin d'io, tout cela donc Jésus dit, mettez tout le monde en garde pour nous savoir qu'il faut que nous aimions, consentir maman là d'ailleurs, et puis faire, bon Dieu, confiance. Mais ben nous avons rappelé, nous avons servi un bon Dieu qui amour. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 16. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'en dis trois conditions pour suivre Jésus. Oui. Renoncer à vous-même, charger corps du corps, puis suivre Jésus. Oui, ça nous a dit tout le monde, hein? En Jésus, nous ne pouvons pas passer par le différent là. Ça, c'est donc, accepter un dit dans le nous, et puis marcher, et puis écouter Jésus, transformer la vie nous. Alléluia. Même enseignement, il bat ses disciples là, c'est à nous aujourd'hui, qui mon Dieu bénit nous. On nous prie. Papa Dieu, nous avons dit merci pour enseignement, ou bien nous dit dans la parole ou l'évangile, sinon, quittez-nous par l'Esprit Saint, mettez l'évangile là en pratique. Pour nous venir, pour nous pédir, ouais, non, c'est ça qui est plus raide. Ouais, non, c'est. Ça veut dire mort à nous-mêmes pour nous pédir ça, revivre. Alléluia. Et puis, marcher, point quoi nous. Qui veut dire que même si ça commande des sacrifices, mais avancer, nous avons une grande récompense en Jésus-Christ. Bénis-nous, fais-nous grâce. En nom Jésus. Amen.